Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est dimanche, au calme, avec de très mauvaises nouvelles qui se passent sur les réseaux. Je suis vraiment très 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 attristée. Et ça vient une fois de plus nous montrer que la vie est courte, vous savez. Quand quelque chose ne vous est jamais arrivé, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Je vois beaucoup de personnes depuis que la mort de Madame Cooper a été annoncée, dire que la vie est courte. Ça me surprend que c'est aujourd'hui que vous réalisez que la vie est courte à cause de la mort d'une personne. Mais j'espère que ça vous servira de leçon. Moi, j'ai compris que la vie était courte très longtemps après avoir perdu mes deux parents en moins de 2 ans. J'ai compris que la vie, voilà, c'est quelque chose où, voilà, tu ne sais pas si tu verras demain. De nos jours, rares sont les personnes qui atteignent même 50 ans. Donc, si tu parviens à atteindre 50 ans, tu dis seulement merci à Dieu. Je vais commencer mon direct en disant mes sincères condoléances à la famille de Madame Cooper, son mari, son enfant, ses abonnés, ses fans. Vraiment mes sincères condoléances. Je ne connaissais pas la personne en tant que telle, mais j'avais déjà vu ses TikTok, ses vidéos sur Facebook et tout. Elle était amusante. Je pense que j'ai même déjà fait des trucs sur TikTok avec sa voix et tout. Donc, c'est une nouvelle qui a vraiment frappé de nulle part. Hier, j'ai vu des trucs courir sur les réseaux, mais je ne voulais pas poster parce que je me suis dit, bon, je vais attendre que sa famille ou son manager ou quelqu'un parle d'abord. Donc, quand j'ai vu que son manager a posté sur sa page aujourd'hui, sur Instagram, j'ai vu que c'était la confirmation et la triste nouvelle était vraie. Qu'à cela ne tienne, nous prions le Seigneur qu'elle repose en paix. Qu'elle repose en amour, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Et on la remercie pour l'humour qu'elle a mis dans nos cœurs, pour la femme qu'elle était. Je ne veux pas pleurer, mais ça fait mal. Ça fait mal. Parce que c'était une personne pleine de vie. Ça fait mal. Ça fait très mal. Très mal. J'imagine sa mère, son mari, son enfant. Ses parents, ses sœurs, c'est un sentiment que je ne souhaite à personne. J'ai déjà traversé ce sentiment. Perdre mon grand frère, mon père, ma mère. Ça, c'est un sentiment que je ne souhaite à personne. Ça fait très, très, très mal. Et il n'y a pas de parole pour expliquer cela. Qu'à cela ne tienne, je fais ce direct pas seulement pour dis mes sincères condoléances à Madame Cooper, mais aussi pour parler de la jeune dame Diana Bouli. Vous voyez, je ne connais pas Diana en tant que telle. Quand elle a commencé sur TikTok, je l'ai vue comme beaucoup d'entre vous. Et sur TikTok, j'ai même réagi à l'une de ses vidéos où elle avait laissé un commentaire et m'a dit merci et tout, mais on ne se connaît pas. On ne se suit même pas sur les réseaux. Et j'ai vu cette petite Diana Bouli arriver avec beaucoup de talent, beaucoup, beaucoup de talent dès le départ. Je ne sais pas où et comment les choses ont mal tourné. Je ne sais pas où et comment les choses sont allées à gauche. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Tout ce que je vais vous dire, pour ceux qui sont là en train de m'écouter, par rapport à ce que j'ai vu, parce que comme tout le monde, que ce soit moi et beaucoup d'autres personnes sur les réseaux, nous avons réagi face à la mort de Madame Cooper. Pourquoi se fait-il que quand Diana Bouli réagit face à la mort de Madame Cooper, elle est harcelée et je vois des abonnés commencer à dire qu'ils espéraient que ce soit elle. Comment vous pouvez même dormir la nuit? À ce que je sache et à ce que j'ai vu sur les réseaux, je ne viens pas ici défendre Diana, je ne connais pas Diana. Mais ce que j'ai vu et le message que j'ai entendu dans cette directe, vous savez, hein, nous avons les mêmes oreilles, mais on n'entend pas les mêmes choses. On a les mêmes yeux, mais on n'a pas la même vision. On a la même bouche, mais on ne parle pas la même chose et on ne prêche pas la même chose.
Diana est responsable de ce qu'elle dit et non de comment vous entendez ce qu'elle a dit. Il y a des gens là qui ont encore un manque d'éducation. C'est comme si Facebook est devenu le village de tout le monde. Comment vous pouvez vous lever et dire que vous espérez que ce soit une jeune fille qui soit morte à la place de l'autre? Comment est-ce possible? Comment vous pouvez harceler une personne à ce niveau-là? Vous voulez qu'on perde un autre talent, une autre jeune personne? Pourquoi? Parce que celle-ci a dit qu'elle préfère un pays à un autre? Non, mais attendez! Ça ne se fait pas. Diana n'a jamais régné le Cameroun, à ce que je sache. Elle a dit que ailleurs, elle a plus d'opportunités. Et c'est vrai. Ailleurs, j'ai plus d'opportunités, moi-même qui vous parle. C'est vrai. Ma plus grande boutique se trouve à Abidjan. C'est vrai. Vous m'avez déjà insulté tous les jours. Pourquoi tu n'ouvres pas une grande boutique au Cameroun? Parce que je ne suis pas soutenue par mes gens moi-même comme il faut. C'est vrai. Vous voulez la condamner parce qu'elle a osé dire qu'ailleurs, elle a plus d'opportunités? Ailleurs, elle a plus d'opportunités. Ok, qu'est-ce qu'on doit maintenant faire? On doit se retrouver en tant que famille parce que nous sommes une famille et appeler notre enfant et dire à notre enfant, ok, quelles sont les opportunités que tu n'as pas eues? Vois comment on peut commencer à te donner des opportunités. Parce que si j'ai bien vu, partout où Diana partait, tout ce que Diana faisait, elle portait le drapeau du Cameroun sur elle. Elle représentait le Cameroun sur elle. Quand elle part en Guinée, en Côte d'Ivoire, à Dubaï, elle a le drapeau du Cameroun sur elle. Elle n'est pas parfaite. Peut-être qu'elle n'a pas su utiliser les paroles qu'il faut. Je ne suis pas parfaite. Je suis venue ici, j'ai insulté une personne, vous m'avez fait la reproche. Belle, ce n'est pas bien. Je me suis ressaisie, j'ai demandé pardon. Elle n'est pas parfaite. Au lieu de lui faire la morale, vous l'insultez jusqu'à souhaiter la mort à un enfant. Elle n'a même pas 25 ans. Ça, c'est de l'harcèlement. Mais vous êtes les premiers à vous asseoir. Quand on... Anana, tu vas attendre. Quand on harcèle vos enfants à l'école, vous êtes les premiers à dire que les enfants des autres ont harcelé vos enfants. Mais vos enfants sont sur les réseaux en train d'harceler Diana, vous ne voyez pas? Non, mais il faut qu'on arrête. Non, mais les gens ont perdu la tête. Tout le monde est tranquille. Pourquoi est-ce qu'on est tranquille? C'est pourquoi est-ce qu'on est tranquille? Allez lire les commentaires sous le post de Diana. Oui, laisse-nous pleurer notre star, laisse-nous pleurer notre célébrité, on va l'enterrer chez nous. Et si seulement c'était toi qui étais morte, quel genre de langage? Les Ivoiriens nous regardent, les Congolais nous regardent, les Guinéens nous regardent. Vous avez jeté la honte au champ. Pourquoi? Parce qu'une jeune fille a osé dire qu'elle a plus d'opportunités ailleurs. Est-ce mauvais? Est-ce mauvais? Vous voulez qu'elle reste là ou vendre le piment, je ne sais quoi? Laissez-la aller ailleurs. Ceux qui vont en Europe, font comment? Ils font comment, je veux dire? Ceux qui vivent en Europe, là, moi-même, je suis ici aux États-Unis. Pourquoi? Parce que j'ai plus d'opportunités aux États-Unis qu'au Cameroun. Mais ça ne veut pas dire qu'on oublie notre terre. On oublie d'où on est venu. L'essentiel, c'est qu'elle ait ses opportunités là-bas et qu'elle revienne au Cameroun mettre l'argent, construire un immeuble, aider les enfants, les orphelins. Aider les femmes célibataires, c'est le plus important. Mais vous vous levez, vous l'insultez jusqu'à lui souhaiter la mort. Vous voulez que la petite dépresse à mourir, qu'elle perde la tête, qu'elle devienne folle, qu'elle sombre dans la boisson, qu'elle se perde. Qu'est-ce que vous voulez au fait de cet enfant? Moi, je ne la connais pas, donc je ne peux pas la juger, mais selon ce que j'ai vu, elle a dit, j'ai plus d'opportunités ailleurs, alors j'aménage dans un autre pays. C'est comme si elle avait eu le visa pour aller en France. Ou elle a eu le visa pour venir aux États-Unis. Elle va vous dire qu'elle a eu des opportunités ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Vos stars du Cameroun ne vont pas ailleurs. Vos stars du Cameroun ne vont pas ailleurs travailler. Non mais arrêtez, c'est la jalousie. Beaucoup sont jalouses parce qu'elle a un joli corps. Beaucoup sont jalouses parce qu'elle est jeune, elle est belle, elle est vibrante. Beaucoup sont jalouses parce que son étoile brille. Ça fait même pas un an, Diana est sur les réseaux. Diana est sur les réseaux, ça fait un an. Elle est venue là, elle a battu tous ceux qui sont là depuis 10 ans. Hein? Moi-même qui suis sur les réseaux là, depuis 2014, je n'ai même pas 1 million d'abonnés. Diana est là, elle est venue, à moins d'un an, elle a eu 1 million d'abonnés comme ça. C'est la jalousie. Acceptons que Dieu a béni l'enfant.
Acceptons que Dieu a donné l'étoile à l'enfant. Acceptons que l'étoile de l'enfant brille. Soutenons l'enfant. Est-ce qu'elle est parfaite? Non, donnons-lui des conseils constructifs. Et quand quelqu'un essaye de parler, on met la personne à la verdict populaire. J'ai vu Charlotte Dipanda essayer de défendre Diana Bouli et c'est tout le monde qui se lève. Oh, quand c'est pour le gouvernement, Charlotte Dipanda ne parle pas. Quand c'est pour telle, elle ne parle pas. Quand c'est pour telle, elle ne parle pas. Mais quand c'est pour Diana, elle parle. Oui, elle va parler. C'est une femme. On défend la femme. On défend la femme. Charlotte Dipanda va parler. On défend la femme. On va pas accepter que vous amenez cette fille à devenir folle, à sombrer dans la boisson, à se prostituer ou à perdre sa vie à cause de l'harcèlement. Ça, c'est de l'harcèlement. Vous êtes des bullies. On dit ça ici aux États-Unis. You are a bully. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle fait son travail. Elle met le Cameroun en avant sur TikTok. Quand on parle des meilleurs TikTokers, l'une des meilleures TikTokers sur les réseaux, on parle de Diana Bouli. C'est le Cameroun qu'on met devant. Vous ne voyez pas. Oh, elle a mis son corps dehors. Vous ne voyez pas vos stars qui mettent leur corps dehors? Hein? Ce n'est pas Maman Lady Ponce qui s'est couchée là-bas l'autre jour pour qu'on mette l'huile sur son corps. Elle avait le caleçon et le soutien. Ce n'est pas elle. Son corps n'était pas dehors. Hein? Ce n'est pas Beyoncé qui était l'autre jour à Abidjan et elle a fait photo avec Mao de bain. Ce n'est pas son corps qui était dehors. Vous ne voyez pas le corps des stars que vous appelez stars qui sont dehors. C'est pour Diana Bouli, vous venez juger. Non, mais arrêtez la bêtise. C'est elle que vous avez vue comme votre moins cher. Pourquoi vous ne partez pas insulter les autres? Insultez aussi les autres. Et même si vous insultez les autres, ils ne répondent pas. Diana est jeune. Diana est nouvelle dans ce business. Elle ne connaît pas. Peut-être qu'il a fait un manager ou quelqu'un qui va communiquer. Alors apprenez-la. Si vous connaissez des gens, faites-lui des propositions. Faites-lui des propositions. Vous ne le faites pas. Elle est nouvelle dans le monde des trucs. Si elle ne connaît pas, elle ne connaît pas s'y prendre. Les autres sont des rossés. Moi, je suis rossé. Tu m'insultes. C'est pas toi qui me nourris. Je regarde mon compte bancaire. Je te regarde. Tu n'es rien pour moi. Mais elle est nouvelle dans le monde. Elle ne connaît pas. Mais enseignez-la. Donnez-lui des astuces. Ma chérie, on parle pas comme ça. Voici comment on parle. Ma chérie, j'ai tel diplôme en communication. Laisse-moi t'aider. Être ton manager. Vous ne le faites pas. Elle dit, la fille pleure. Ça, ce sont des pleurs que Diana Bouli est en train de faire. Elle vous dit, je n'ai pas d'opportunité au Cameroun. L'enfant pleure. Et vous prenez les pleurs, vous les transformez en harcèlement. Ça, c'est la merde, ça. Mais on vit où, là? Vous savez à qui vous faites ce genre de bêtises, hein? Mais on vit où, là? Moi, une Américaine, I will bring my gun with me. I will shoot your legs. What kind of nonsense is this? Hey! Jesus, in the name of God. Abomination. Hey, Christ. Vous savez à qui vous faites ce genre de bêtises. Vous savez à qui vous faites ce genre de choses. Mais, Madame Jones, I will shoot your legs, I swear. Oh, what kind of nonsense is this now? Hey, Jesus. Un enfant pleure, vous prenez ça pour la maltraiter et pour l'harceler. Rubbish. Et je vois des hommes. Non mais attendez les gars, dites que vous avez envie que votre copine soit comme Diana Bouli. Dites que vous avez envie que votre copine soit Diana Bouli. Vos femmes ont le corps de Diana. Hein? Vous prenez vos écrans pour aller taper. Diana Bouli a dit qu'elle quitte le Cameroun parce que elle n'a pas d'opportunité. And so what? Donnez-lui les opportunités. Je vois les gens dire, oui, moi j'ai contacté Diana, elle n'a pas répondu. Moi, il y a des gens qui me contactent, je ne réponds pas. On a beaucoup de messages, elle n'a pas 10 000 abonnés. Elle a beaucoup d'abonnés et elle n'a pas une assistante. Pour qu'elle voie le message, c'est beaucoup de travail. Et même si elle n'a pas répondu, et même si elle s'est prise la tête, c'est de cette manière que tu vas venir dire ça sur les réseaux. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu n'éduques pas l'enfant. Oh, why are you calling me now, my love? Oh, huh? Mom. Yes. Are you okay? I was just texting me that they're coming over. Who? Alien. Yeah. They're coming over. Yeah. Should I send them the address? Yeah. Send them the address. Yeah, just wanted to make sure so I don't get in trouble. No. You're good. Send her the address. Are you okay? Yep. All right. I love you. Love you too.
Talk to you later. Daddy is coming to get you. Okay. All right, bye-bye. Bye. Oh! Hey! Je vous dis, et je ne vais pas vous mentir, moi qui suis assise devant vous, j'ai plus d'opportunités ailleurs qu'au Cameroun. Et je ne vous mens pas. Ma boutique, la boutique, j'ai 10 boutiques. J'ai 10 boutiques, Belle Secret. La boutique la plus petite est au Cameroun. La boutique la plus grande de ma société est à Abidjan. C'est qui? Who is it? Millie? What's wrong? I can't go with Daddy to pick up Bobo. Why? Where is he? He's going. Oh. Did you ask him? Yes. All right, let me call him. Son numéro, c'est même quoi? On me coupe en plein direct comme ça. Oh! Hey, Mr. Jones. Yeah, Millie just told me you're not taking her with you. Because you're going to be starting her hair, right? It's okay, you can take her. When she comes back, I'm going to do her hair. I'm doing a live video right now. And Bobo just called me. Girl children's are coming over. I told him to send them the address. Oh, okay. All right. So please just take her, okay? All right. All right. Bye-bye. I love you. Love you too. Bye. Bye. Millie, you can go with your daddy. Excuse. Quand c'est le mari, on change la voix. On gronde pas. Comme vous ne connaissez pas être dans les mariages, là, quand c'est ton mari que tu appelles ou qui t'appelle, tu descends la voiture, tu te rabaisses. Comme vous ne connaissez pas parler à vos maris, là. C'est pourquoi ma voix a changé, elle est devenue douce. On remet le son. Millie, you can go with your dad. Okay. When you come back, I gotta do your hair. Okay. All right? No crying, no complaining. On aurait? Yeah. Okay, good. Mais bon, go là, eh, n'y a même pas de bon, ouais, chong chong, na. On aurait? Ok, good. Oui, mes enfants parlent le bassin. Mais ils me parlent, alors, ils disent, bah, 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 ah, c'est les mangelana, ils, Cameroun, mais bien, ils t'aiment, nous, t'aiment, ils aiment, ouais. Hello, ouais, parlons, qu'ils n'y t'aiment là. Eh, vous allez me faire parler tout genre de langue ici aujourd'hui. Oh! Hein? Je vous disais tantôt, j'ai plus d'opportunités ailleurs qu'au Cameroun. Je suis déjà venue au Cameroun. Vous avez vu une société m'appeler pour dire que Belle vient faire ci. Hein? Mais avant que toutes vos stars ne viennent sur les réseaux, les années 2014, 2015, 2016, là, ce sont les vidéos de qui passait sur Canal 2. Mes vidéos? C'est qui qu'on montrait sur Canal 2 tout le temps? Moi? J'ai chanté ici que j'ai fait 2 ans dans une école à Washington DC d'action. Vous avez déjà vu quelqu'un me dire que Belle vient, tu vas tourner dans mon film? Jamais. Je suis devenue au Cameroun, quelqu'un m'a même, est même venu soutenir ma boutique. Moi, je suis allée soutenir vos stars. Je suis allée dans les boutiques de vos stars. Parce que je me dis, on est une famille. On est un peuple. On est un pays. Je suis allée faire les soins dans les boutiques de vos stars pour leur soutenir, pour donner un coup de main. Vous avez déjà vu une seule personne venir dans ma boutique? À part mes abonnés ou mes clientes? Jamais! Jamais, il n'y a pas d'opportunité chez nous. Chez nous, c'est le qui connaît qui. Qui connaît qui. Où ça, où tu donnes les fesses. Je dis bien, où ça, où tu donnes les fesses. Comme je suis mariée, ils n'ont jamais osé demander quelque chose de Madame Jones. Chez nous, c'est le qui connaît qui. Jamais une seule personne est venue dire, je vais soutenir Belle Bijoux. Mais toutes vos célébrités là, je peux les compter des bouts de doigts. Je suis allée soutenir les boutiques, les, comment on appelle ça? Les, comment on appelle même ça? Les soins là, où on fait les soins là, ça s'appelle même quoi là? What the fucking name it is? French is something else, my goodness. Hala, ouais, à part French, now you're making boom. Bref, les endroits où on fait les soins là, je suis partie. Les restaurants de vos stars, je suis partie. Les prêt-à-porter de vos stars, je suis partie. J'ai dépensé l'argent. On ne m'a pas donné gratuit, j'ai dépensé l'argent.
Vous avez déjà vu quelqu'un venir dans ma boutique me soutenir? Laisse pas, merci. Quelqu'un venir dans ma boutique dit, je ne vais pas soutenir Belle Bijoux. Jamais. Mais elles utilisent mes produits, hein. Hey, détrompez-vous, elles utilisent mes produits bien. Donc, ce que Diana a dit est vrai. Parfois, ton étoile brille tellement que ça énerve les gens. Parfois, tu as une étoile que ça énerve les gens. Parfois, c'est-à-dire, Dieu t'a tellement béni, les gens se disent que c'est temporaire. Mais quand ils réalisent que c'est pas temporaire, la bénédiction de Dieu, amen, elle n'est pas temporaire. Hein? Ça commence à les énerver. Parce qu'ils se disent, ah, elle va briller là, un an, ça va finir. Mais ils voient comment tu brilles. 5 ans, 10 ans. Ça commence à les énerver. Diana n'a pas menti. Si l'enfant a dit qu'elle n'a pas d'opportunité au Cameroun, ça veut dire qu'elle n'a pas. Appelez votre enfant, faites-lui la morale et offrez-lui des contrats. Il y a Orange, il y a MTN, elle a un joli teint ébène. Il y a MTN, il y a beaucoup de sociétés au Cameroun. Beaucoup. Moi qui vous parle, j'ai contacté Diana Bouli pour être mon ambassadrice. Elle n'a pas répondu. Ça m'a fait mal? Non. Ça m'a énervé? Non. Ça veut dire que Diana est arrogante? Non. Ça veut dire que Diana ne veut pas les contrats? Non. Elle n'a pas vu mon message. C'est tout. On a contacté Diana. Elle n'a pas répondu. Et puis quoi? Ça veut dire que Diana est méchante? Non. Peut-être que vous l'avez contactée. Elle n'a pas vu. Ça veut pas dire que vous allez venir à la verdict populaire verser l'enfant comme ça. Commencer à l'insulter, les hommes, les femmes. Hey, elle a fait ci, elle a fait ça, elle s'expose et tout. Vos stars s'exposent, vous ne voyez pas. Dites la vérité, parce qu'on vous donne les 10 000. Parce qu'on vous donne les 50 000. Hein? Vos stars s'exposent, vous ne voyez pas. Le cul est dehors tout le temps, les fesses sont dehors tout le temps, les seins sont dehors tout le temps, vous ne voyez pas. Quand je vais à la plage ici, je mets mes fesses dehors, vous ne voyez pas. C'est pour Diana, vous voyez, pour venir parler. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous harcelez un enfant qui n'a même pas encore 25 ans. Le pays est encore pauvre mentalement. Oui, à poor. Mentally poor. Il y a des gens qui sont assis et regardent. Vous attendez qu'on vous dise que Diana a bu le Javel. Pourquoi vous commencez à pleurer? J'avais su. J'avais moi dit. Oh. Non, c'est maintenant qu'on parle. C'est maintenant qu'on parle. C'est maintenant qu'on parle. Quand Samuel Eto'o lui a donné l'opportunité d'aller à Dubaï, vous avez dit qu'elle a vendu le piment. Quand l'enfant a les opportunités, elle a vendu le piment. Quand l'enfant n'a pas les opportunités et elle parle, vous l'harcelez. Finalement, vous voulez quoi dans ce pays? C'est la chaleur qui vous stresse ou c'est le manque d'argent qui vous stresse? Ne mettez pas ça sur Diana Bouli. Mettez ça sur votre état, sur vos dirigeants de votre pays là-bas qui mangent l'argent quand le père donne l'argent pour qu'ils font les choses. Ah! Nonsense. C'est l'enfant que vous allez venir harceler. Même si elle est arrogante, hein, Salimata, si c'est. Même si elle est arrogante, ce n'est pas comme ça qu'on va harceler quelqu'un. Quand quelqu'un est arrogant, on la laisse dans son arrogance. C'est pas comme ça qu'on va venir harceler quelqu'un. Laissez-la dans son arrogance. Donc, comme elle est arrogante, quelle est la star qui, vous ne voyez pas vos stars qui sont arrogantes là-bas? Vous voulez que je commence à citer des bouts des doigts, comment on vous insulte souvent? On vous appelle des petits maniocs, des imbéciles. Je vois ça tout le temps. Vous n'avez pas la force de parler. Mais quand c'est pour Diana Bouli, là, vous avez la force de parler. Mais laissez-la dans son arrogance. Elle vous a forcé d'aller faire les commentaires. Vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous êtes là. Vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous faites les commentaires. Vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous regardez ce qu'elle fait. Vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous suivez ce qu'elle fait. Ça ne fait pas de sens. C'est qu'elle va mourir. Voilà, voilà, voilà Madame Cooper qui est morte. Tout le Cameroun est en train de pleurer. Quand Madame Cooper était vivante, vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où? Tout le monde pleure. Oh, elle est partie. Oh, elle était jeune. Oh, la vie est courte. Oh, elle était là. Vous étiez où? Elle a fait 5 jours sans poster. Combien d'entre vous l'ont envoyé un message pour savoir comment elle va? Peut-être ses abonnés. Mais combien d'entre vous l'ont envoyé un message pour savoir comment elle allait? Combien? Vous avez mal à la bouche pour parler. C'est tout. Nothing in here. Vide la coconut. La coconut. Vide. Kongolongong. C'est incroyable. C'est incroyable. Quand je vois les hommes se lever pour insulter Diana. Vous rêvez que vos femmes aient le corps de Diana. C'est tout. Elle s'expose. Elle s'expose. Elle s'expose. Elle a fait quoi? Qui ne s'expose pas? Quand
quand c'est Kim Kardashian qui met son corps dehors, vous partagez. Quand c'est Nicki Minaj et Cardi B, vous regardez. Mais quand c'est Diana Bouli, oh, on a une culture en Afrique, I'm off, go, 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 fuck yourself and your mother. On a une culture, on a une culture, vous ne voyez pas vos stars qui font la même chose, c'est Diana Bouli, vous voyez? Mais il faut arrêter. Allez harceler vos égos. Allez harceler vos égos. Voilà vos égos qui vous dépassent là-bas. C'est l'enfant que vous venez harceler. Vous n'avez même pas honte. Et quand une autre femme se lève pour la défendre, vous commencez à citer, elle n'a jamais parlé pour l'État, elle n'a jamais parlé pour si. Maintenant, c'est Charlotte Dipanda, vous voulez harceler? Vous avez son niveau? Hein? Vous avez son niveau? Une femme qui n'est jamais dans les problèmes sur les réseaux. Une femme qui n'attaque jamais personne. Elle s'occupe de sa musique, elle s'occupe de sa vie et de ses oignons. Parce qu'elle a osé défendre la femme. La femme, vous voulez vous lever pour l'insulter. Bande de non-éducation, Yedjam. Ah, Sourou Yelongue. Ah. Oh, Sourou Yelongue. Non, 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 non. Voilà, Madame Coupe, après son décès, les gens vont faire les posts et les vidéos, n'importe comment. Mais c'est ce que je dis. Tout le monde fait les posts, les vidéos. Qu'elle était vivante, tout le monde était où? Vous étiez où? Vous étiez où? Laissez Diana tranquille. Diana n'a rien dit de méchant. Le Cameroun n'a pas d'opportunité. Ok, laissons-la aller où elle pense qu'il y a des opportunités. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas revenir au Cameroun. Et elle a dit ça. Ça va pas être... Mais nous sommes en Occident, on revient au Cameroun, non? Tout le monde, la moitié de l'Afrique, du Cameroun est en Occident, mais on revient, non? Hein? Vos stars ne voyagent pas. Vos stars ne travaillent pas ailleurs. Hein? Vos stars n'ont pas des contrats dans d'autres pays. Ils ont des contrats dans d'autres pays. Mais ils reviennent au Cameroun. Mais laissez-la aussi aller faire ses contrats dans d'autres pays et revenir au Cameroun. C'est simple. Elle a juste dit qu'il n'y a pas d'opportunité. Elle n'a pas dit, je n'aime pas le Cameroun, je ne reviendrai plus. Le Cameroun, c'est la merde. Le Cameroun, c'est si. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, il n'y a pas d'opportunité. Elle a menti. Vous-même, vous êtes là. Vous avez eu vos diplômes depuis 20 ans aujourd'hui. Vous n'avez jamais eu le travail que vous avez eu, que vos diplômes vous ont donné. Vous avez même oublié quel genre de diplôme vous avez. Tout ça parce qu'il y a un manque d'opportunités. Tout ça parce que qui connaît qui quelque part. Et vous voulez parler pour Diana. Ou vous laissez vos enfants aller sur les réseaux insulter Diana. Ce que vous faites là, on va faire ça à vos enfants. Ne vous dérangez pas. La vie, c'est le karma là. Ça ne rate jamais quelqu'un. Ce que vous faites là, on va faire ça à vos enfants 10 fois plus. Et je prie, 10 fois plus. 10 fois plus. Harcèlement que vous faites à Diana là, à vos enfants, à vos petits-enfants, vos mamans, vos papas. Harcèlement là, on va faire ça. On va le faire ça. Vous levez, oh, jusqu'à ce qu'on dit, oui, j'aurais aimé que c'est toi qui sois morte. Écoutez-moi les commentaires des gens. Écoutez-moi les commentaires des gens. Hein? C'est même quoi la page où j'ai même vu les bêtises là? Ah ah. Ne parle plus de nos choses. Concentre-toi à la Côte d'Ivoire. Vous n'avez même pas honte. La Côte d'Ivoire, c'est votre frère. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays frère. La Côte d'Ivoire a donné des opportunités à beaucoup de Camerounais. Hein? Beaucoup de Camerounais. Quel est l'Ivoirien qui travaille à la télé au Cameroun? Quel est l'Ivoirien qui travaille à la télé au Cameroun? Quel est l'Ivoirien qui travaille à la radio au Cameroun? Dites-moi. Dites-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires pour que je m'excuse. Quel Ivoirien travaille à la télé au Cameroun? Quel Ivoirien travaille à la radio? Quel Ivoirien travaille à Eneo au Cameroun? Mais allez en Côte d'Ivoire. Je dis bien allez en Côte d'Ivoire. Voilà Stéphanelle qui vient de signer un contrat. Il y a celle-là, Sophie Aïda, qui travaille là-bas. Elles sont tellement nombreuses à travailler en Côte d'Ivoire. Combien d'Ivoiriens travaillent au Cameroun? Vous n'avez pas honte? La Côte d'Ivoire, c'est notre pays frère. C'est notre pays frère. C'est notre pays frère. Même si elle est en Côte d'Ivoire, c'est comme si elle est chez nous. Elle est chez la belle-sœur, la belle-famille. On la soutient. On lui montre qu'on est là. On prie que la Côte d'Ivoire lui ouvre les portes que le Cameroun n'a pas pu ouvrir. On lui donne les opportunités que le Cameroun n'a pas pu lui donner.
Non, vous n'allez pas le faire. Je vois quelqu'un a cité Chic Mousseau. Chic Mousseau, qui d'autre? J'ai dit, citez-moi tous les noms parce qu'il y a tellement de Camerounais. Voilà Beyoncé qui travaille à cœur des femmes là-bas. Il y a tellement de Camerounais qui travaillent en Côte d'Ivoire. Citez-moi au moins 5 Ivoiriens qui travaillent au Cameroun dans les télés et les radios et tout. Citez-les. Acceptez que la Côte d'Ivoire vous ouvre des portes. Acceptez que la Côte d'Ivoire vous donne des opportunités. Je ne vais jamais régner la Côte d'Ivoire. Laissez-moi vous dire. La Côte d'Ivoire m'a apporté plus que le Cameroun. À part que c'est mon pays natal, je suis née, j'ai grandi, mes parents, ils sont mes ancêtres, ils sont. Mais la Côte d'Ivoire, en matière de business, m'a apporté plus que le Cameroun. Les opportunités, les téléradios, tout, mes conférences, mes boutiques, des personnes incroyables, plus que le Cameroun. Tu n'es jamais la bienvenue chez toi. Je vous le dis déjà. Le jour où vous allez sortir, vous allez comprendre. J'arrive en Côte d'Ivoire à l'aéroport, on me reçoit. J'arrive en Côte d'Ivoire, ce sont des trucs qui arrivent chez moi. Les invitations de radio, télé, partout. J'arrive au Cameroun. Pourquoi je parle? Est-ce qu'on choisit où on est? On ne choisit pas où on est, mais on choisit comment finir sa vie. On ne choisit pas où on est, mais on choisit où vivre. J'ai choisi où vivre, non? Je suis pas au Cameroun. Je suis aux États-Unis, ça fait plus de 15 ans. Mais je vais au Cameroun, j'ai conçu au Cameroun. J'ai une boutique au Cameroun, j'ai des business, j'ai une maison au Cameroun. Laissez Diana faire la même chose. Déposez cet enfant. Comme toi, Diana, tu mets ton cœur sur les choses de la terre au point où tu dis que tu vises haut, que cette mort te serve de leçon. C'est quel genre de langage? Tu parles des choses de notre continent, pourquoi? Écoutez. Ça fait honte. Mieux c'est toi qui partais, Diana Bouli. Pourquoi elle? Ça, c'est quelqu'un qu'on appelle chevalier de Dieu. Écoutez le langage. Mieux c'est toi qui partais. Pourquoi elle? Comment osez-vous? Comment osez-vous? Hein? Vous ne mettez pas votre énergie sur Cynthia Fiengang. C'est sur Diana Bouli, vous mettez votre énergie. Vous ne mettez pas votre énergie sur Kim Kardashian. Ou sur, comment elle s'appelle, les stars là, Nicki Minaj ou Cardi B. C'est sur Nadia, je mets Nadia. Diana, que Dieu te bénisse, hein, ma fille. Que Dieu te bénisse. Tu viennes ici aux États-Unis. Ma chérie, tu sois copine avec Kim Kardashian. Elle te montre comment bien écarter les jambes là. Hein? Tu mets bien ton corps en valeur. Tu signes les contrats avec tous les grands magasins des États-Unis là. Ton corps là, tu mets ça comme ça. Bing! Tu fermes la bouche de tous les Camerounais. Après, tu descends, tu vas leur balancer 3 immeubles au Cameroun. Bang, bang, bang. Et tu laisses, ils viennent louer chez toi. Je dis, tu descends avec ton argent de ton corps là. Tu viens au Cameroun, tu mets 3 immeubles. Après, tu les laisses, ils vont venir louer chez toi. Ils viendront louer chez toi. Ils sont là, ils parlent sur les réseaux. Où dormir, ils n'ont pas. Même ce quoi manger, ils n'ont pas. La bouche dans le vide. Fallait que c'est toi. Pourquoi elle? Waouh! What kind of nonsense? On ne peut plus pleurer. Madame Cooper, tranquille. Hmm? Même dans la mort, vous la mélangez dans les bêtises. Incroyable. Hmm? Unbelievable. Hmm? Vous savez sur qui vous faites ce genre de choses? Vous savez avec qui vous faites ce genre de choses? Vos égos vous dépassent. Et je dis à la boule, vous partez mettre vos frustrations. On t'a mal baisé. Tu n'as pas l'argent pour manger. Même la maison pour vivre. Ton gars t'a chassé. Même l'argent d'internet, tu n'as pas. C'est sur Bouli là. Diana Bouli, tu peux mettre ta frustration. Vous êtes vaincu, hein? Vous êtes vaincu au nom de Dieu. Laissez l'enfant tranquille. Laissez-la tranquille. Elle est arrogante. Oh. Elle est si haut. Oh. Elle est ça haut. Oh. Laissez-la tranquille. Dans son arrogance. Laissez-la vivre. Laissez-la faire les erreurs et apprendre à travers ses erreurs. Laissez-la faire ce qu'elle est en train de faire. Si vous pouvez l'aider, aidez-la. Si vous ne pouvez pas l'aider, fermez vos bouches. C'était quand la dernière fois que vous êtes allé chez le dentiste. Hein? C'était quand la dernière fois vous êtes allé chez le dentiste? Hein? Vous êtes là avec la carie. Les dents qui puent. La bouche qui pue.
Mais vous vous mettez là pour l'insulter. Vous n'avez même pas honte. Vous avez son niveau. Quand je clique sur certains profils, je vois le corps des femmes qui ressemblent au couscous manioc. Ce sont elles qui se lèvent pour insulter Diana. Vous n'avez même pas honte. Qui vous insulte? Vous êtes là avec 10 pères. C'est toi qui as 10 pères, 10 enfants. Toi qui peux insulter Diana. Tu l'as vu avec un seul enfant? Tu l'as vu vadrouiller? Au lieu d'aller chez elle faire la formation de la couture, tu t'assois, tu attends que le gars te donne l'argent. Bande d'ignorants. Manque de sagesse. Manque d'éducation. Vos enfants et les enfants de vos enfants seront harcelés. Au nom de Dieu, vous verrez le feu de Jésus sur vos bouches. Le feu de Jésus sur vos téléphones. Sur l'enfant de quelqu'un que vous vous levez pour harceler. Ça, c'est incroyable. Je ne connais pas cette jeune fille. Mais ça ne veut pas dire que je vais m'asseoir, je vois et je vois et je vois. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on va aller l'harceler. L'insulter. Jusqu'à lui souhaiter la mort. Aïe. Ouh. Anyambe, nyambe, nyambe. Jesus. Jesus, Jesus. In the name of Christ. Your children and your children's children, they are going to get bullied. Just watch. Karma. Karma comes around. Karma comes around. Rubbish, nonsense, abomination on somebody's child. No shame. Shame on you. Le français m'a dépassé. Shame on you. Shame on you. You wish this young girl died. Shame on you. Ah! Ah, les gens aussi insultent leur téléphone. Laisse-moi. Oh, je suis juste dépassée par la mentalité de certains Camerounais. Où ils choisissent de mettre leur énergie. Hein? L'enfant a pleuré. Donnez-lui les opportunités. Vous ne donnez pas. Hein? Donnez-lui les opportunités, vous ne donnez pas. Mais c'est l'insulté, là, vous connaissez l'insulté. Yeah! Jusqu'à lui souhaiter la mort. La mort que vous avez souhaité à Diana, là, c'est vous, ça va prendre. Hey, tu as déjà vu ça? Hmm? Tu as déjà vu ça? Ou tu souhaites la mort à quelqu'un, c'est toi, ça prend. Je dis, la mort que vous avez souhaité à Diana, c'est vous, ça va prendre. C'est vous, ça va prendre. Priez, commencez à prier. Parce que quand ça va vous prendre, vous ne saurez même pas. Commencez à prier dès aujourd'hui. 100 ans sur ta vie, Diana. Tous ceux qui t'ont souhaité la mort là. 100 ans sur ta vie, moins 100 ans sur leur vie. Je dis 100 ans sur ta vie, retour à l'envoyeur, merci beaucoup. 100 ans sur ta vie, Diana, moins 100 ans sur leur vie. Tu t'assois, tu souhaites la mort à quelqu'un? Mon frère, tu as bu l'eau de Javel? En 2023? Non, mais attendez! On va où, là? On va où? Mais qu'est-ce qu'on fout? Jusqu'à les Ivoiriens s'assoient, les Guinéens s'assoient, les Gabonais s'asseyent, et les Congolais... Qui va me donner l'argent? Aucun ancien saisisse. Les Congolais, tout le monde nous regarde. Vous n'avez même pas honte. Souhaitez la mort à l'enfant de quelqu'un. Parce qu'elle a dit qu'elle préfère être ailleurs, parce qu'elle a plus d'opportunités. Quand on lui donne les opportunités, vous dites qu'elle a vendu le piment. Qu'elle n'a pas les opportunités et elle s'exprime, vous dites qu'elle est arrogante. Donc pour vous, on ne doit pas parler. On doit faire selon vous. Vivre selon vous. Diana, 100 ans sur ta vie. Hein? 100 ans sur ta vie. 100 ans sur ta vie, ma chérie. On ne te connaît pas, hein? Je t'avais écrit. Tu n'as pas répondu. J'ai laissé tomber. Faut pas m'écrire, hein. Moi, je m'en ai un problème. Comme je te défends aujourd'hui, demain, c'est moi qui vais encore te mettre dans les rails. Moi, on me connaît déjà. Donc, j'ai merci dans mon coin. Faut pas m'écrire. Reste dans ton coin. Prends ma vidéo, tu dis merci, tu peux t'asseoir. Ne laisse pas que ces moutons-ci te déstabilisent. Ou les moutons-ci te font perdre la tête. Ne laisse pas que ces gens-ci te font penser que tu ne vaux rien. Ma chérie, tu es belle, tu es intelligente, tu es forte,
Tu as du talent. Utilise ton talent pour réussir, pour atteindre tes objectifs. D'accord? Trouve-toi un mentor. Trouve-toi un mentor. Je te parle à toi, Diana. Parce que c'est ça que tu vas également dire. Je t'ai tagué. Trouve-toi un mentor. Tu as compris, non? Quelqu'un qui va te parler. Trouve-toi un communicateur. Yes. Parce qu'il y a des sorties qu'on ne fait pas. Moi-même, j'en ai appris mes leçons. Ici, dehors. Moi, l'ananas, c'est bon pour le vagin. Vous savez que les produits intimes. Là, il faut que je sucre le vagin. Si le père va à la cave. Trouve-toi un mentor. Trouve-toi un manager ou un communicateur. Quelqu'un qui sera là. Quand tu fais un post, il regarde. S'il faut supprimer avant que ce ne soit partout. Ou la personne qui va venir communiquer à ta place. Ou si tu ne peux pas. Quelqu'un te demande l'argent et tu ne peux pas. Va sur YouTube. Ne pas seulement faire tes trucs. Va sur YouTube. Regarde les vidéos de communication. Apprends à communiquer. Apprends à être silencieuse aussi. Parce que tu parles aussi beaucoup. Tu bavardes trop. Tu parles trop. Et tes paroles se retournent contre toi. Apprends à fermer ta bouche. Tantôt, c'est toi qui veux quitter Internet quand tu as gourmet. Après, c'est toi qui restes encore sur Internet. Après, c'est toi qui veux quitter le Cameroun. C'est tout ça là qui embrouille les gens. C'est comme si tu cherchais ça sur ta tête. La pire des choses, c'est qu'on me dise que tu n'es plus là. Donc, ma chérie, à partir de maintenant, 2023, deviens une grande femme. Réfléchis avec la tête. Pas seulement avec la bouche, pardon. Ma chérie, trouve-toi un communicateur. Si tu ne peux pas, va sur YouTube. Regarde les vidéos de communication. Apprends à t'exprimer quand tu as une frustration. Moi, je remercie Ruby. Tu connais très bien Ruby. Elle t'a contacté. Parler dans son émission, tu n'as pas répondu. Ou bon, tu l'as tourné comme le maquereau. C'est Ruby qui m'a aidé avec la communication. Malgré que je lisais déjà beaucoup de livres. Elle m'a envoyé des liens, des trucs. Elle m'a dit, Bello, sur Internet sinon, si on parle n'importe comment, on risque de perdre nos têtes. Éduquons-nous. Donc, je remercie Ruby. Si tu veux, tu peux la contacter, ça ne me regarde pas. C'est elle qui m'a aidé, hein. Soyons vrais dans nos propos. Donc, ma chérie, vas-y, toi aussi, fais la communication. Apprends à parler. Apprends quand tu es avec les gens, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Moi, j'ai 35 ans, hein. Moi, j'ai 35 ans. J'aurai 40 ans dans 5 ans. Quand tu vois où c'est 23 ans, où c'est 22 ans, où c'est 20 ans, où peut-être peut même t'accoucher. Elle a quel âge, 19 ans ou 20 ans? Bref, peut-être peut même t'accoucher, ma chérie. Moi, je suis une maman. Et je suis mariée depuis que j'ai 19 ans. Ma fille, je me suis mariée à 19 ans. Me voici à 35 ans, je suis encore mariée avec la même personne. Donc, on me va faire les mêmes choses. Il faut que tu t'éduques. J'ai appris. Il faut t'éduquer, maman. Si tu ne peux pas trouver un manager. Les managers ne sont pas payants. Hein. Le manager n'est pas payant. C'est quand tu as le contrat que le manager aussi est payé. Donc, les managers qui viennent te dire que donne-moi l'argent, je vais être ton manager, là, c'est mensonge. C'est quand tu as l'argent qu'il est payé. Il te représente. Il t'apporte les contrats. Moi, j'ai eu un manager. Elle m'apporte les contrats. Pas plus tard que hier, on m'a apporté un contrat. Vous verrez très bientôt. Elle m'apporte les contrats, elle est payée selon mes contrats. Les managers ne sont pas payants. C'est quand tu as le contrat que lui aussi, il a le contrat, un pourcentage. Si tu fais 1 million, il va prendre 300 000. C'est comme ça. Donc, ma chérie, où tu trouves le manager, où tu passes sur Google, YouTube, apprendre les communications et comment communiquer et tout, et tout, et tout. Et tu apprends aussi que sur les réseaux, là, c'est un vieux monde. C'est un vieux monde. Et tu es nouvelle dans ce vieux monde. Tu n'as même pas encore 2 ans sur les réseaux. Apprends à observer. Apprends à observer. Suis les personnes qui t'instruisent. Suis tes grandes sœurs. Il y a Mumu qui est là, qui fait des choses incroyables. Elles sont nombreuses là. Vosta là, ça s'appelle même comment là. Il y a Mimi qui est là, qui fait des choses incroyables. Il y a Amy qui est là, qui fait des choses incroyables. Il y a Marcel qui est là, qui fait des choses incroyables. Elles sont nombreuses. Tu peux le suivre pour tirer en elle le positif et l'éducation et les bonnes choses
qu'elles font et qu'elles apportent à la communauté. Parce qu'elles ne sont pas parfaites non plus. Il y a des mentors sur les réseaux que tu peux suivre. Va suivre Michelle Obama. Va suivre Oprah Winfrey. Va suivre les femmes d'impact. Si tu veux, suis-moi. Hein, parce que ici, là, tu vas apprendre. Tu n'as pas le choix. Chez Belle Bijoux, tu vas apprendre. Il y a les personnes que tu peux suivre, que tu peux écouter. Arrête tous ces... que tu suis sur les réseaux là qui ne t'apportent rien. Instruis ça, ma chérie. Quand c'est riche ici là, ici dedans, quand c'est riche là, personne ne peut utiliser ça contre toi. Et personne ne peut t'enlever ça. Une de vos artistes meurt, au lieu de pleurer, vous faites verser sur l'enfant d'autrui. C'est ce que je ne comprends pas. Jusqu'à aller sous le poste de l'enfant où elle est en train de faire hommage à l'artiste pour dire qu'on souhaitait que c'est elle qui meure. C'est ce que je ne comprends pas. Je suis dépassée par les événements. Oh. Maman, mon ananas, pardon. Diana, je ne sais pas où ta mère se trouve. Si tu étais mon enfant. Bully my child. I will come in Cameroon with a caliber. I will be in Cameroon with a caliber. I will shoot your legs. Oh, you'll be playing with the wrong people at the wrong time. Motherfuckers. Oh. Donc voilà. Allez pleurer notre star tranquillement. Vous n'avez jamais fait les posts. Faites les posts. Toi, c'est qui? Daniel Sokno. Moi, c'est la reine mère. Sokno, je vais te dire qui je suis. Assois-toi bien. Je suis la reine mère des réseaux sociaux. Ici, depuis 2014. Celle-là qui a réveillé les réseaux. Celle-là, avant qui que ce soit là-bas au Cameroun, est passée dans vos télés. Canal 2, Sia TV, vous m'avez vu, vous m'avez apprécié. Je suis la reine mère. J'ai déposé des pavés pour vos stars. Je suis la reine mère des réseaux sociaux. Ça ne te plaît pas? Entre dans la boutique, dans la boutique, dans la bouteille, tu éclates. Toi, c'est qui? Moi, c'est la reine mère. Et tu apportes ton arrogance ici, je te fous à la porte. Toi, c'est qui? La reine mère. Tu as compris? Fallait dire. Elle a dit qu'elle est la reine mère. Je suis la reine mère. La reine mère. Je ne mange pas des réseaux sociaux, mon frère. Je ne mange pas des réseaux sociaux. J'ai un mari qui fait vachement l'argent où je mange bien et j'ai des sociétés et des employés. La reine mère, je dis bien. Oh, Jésus. Je réponds un commentaire. Oh. Je réponds un commentaire, s'il vous plaît. Et vous allez constater, ce sont toujours les hommes. Hein. Regardez bien. Ce sont les hommes qui viennent parler. Hein. Regardez bien, les femmes ne sont pas en train d'insulter. Ce sont des hommes. Hein. Ils sont le macabre de Diana. Je pense que vous voulez vraiment baiser l'enfant là. Hein. Et son corps vous fascine. Hein. Son corps vous fascine. Oh. Mmh. Amougou. Ah, Mugoué. Hmm. Ah là, ouais. Allez, je mange mon ananas. J'ai même fini, c'est dimanche. C'est dimanche. J'ai fait la cuisine. Ma maison est propre. Pardon, allez sur mon site. BelleSecrets.org. Passez vos commandes avant de partir. Vous connaissez seulement venir insulter Diana. Vous ne connaissez pas aller laver vos fesses. Pardon, allez sur mon site. Oh. BelleSecrets.org. Passez vos commandos. Voilà le site que j'ai épinglé. Mm-hmm. Lavez aussi les fesses au... Amenez à insulter quelqu'un. Il faut s'assurer qu'on a les fesses propres. Bersicle.org. Il faut aller prendre les ovules. Oh. Vous vous débarrasser des démangeaisons. Vous allez là, vous gratter le peptou, mais vous insultez Diana. Vous n'avez même pas honte. Diana, toi-même, il faut que je t'envoie mes produits que tu utilises, hein, ma chérie. Le jour où tu me répondras, je t'enverrai. Félicitations.
Va suivre les vidéos sur la communication, ma chérie. Ça va te changer. Ça va te changer parce qu'on apprend tous les jours. Personne n'a le monopole du savoir. Nous faisons tous les erreurs. J'ai déjà fait plusieurs erreurs ici. Vous m'avez reproché. Vous m'avez fait la morale. Je suis reparti apprendre. Je suis revenu ici demander pardon. Mais pour Diana, là, elle n'a pas à vous demander pardon. Elle n'a rien fait de mal. Alors, je me dis qu'il n'y a pas d'opportunité. Vous voyez, il n'y a pas. Il y a quelle opportunité? Il y a quelle opportunité là-bas? Vous donnez quelle opportunité aux gens là-bas? Quand c'est pour insulter, vous avez la bouche. La Côte d'Ivoire vous dépasse, vous ne voyez pas. Vous êtes même insulté. Bel bijou, j'apprends beaucoup avec toi. Merci beaucoup, Sophie. J'ai essayé de commander sur le site Europe une de tes représentantes. Chez une de tes représentantes, donc. Pardon, je n'ai pas de représentante en Europe. Allez, j'ai un site. C'est le site bellsecreteuro.com. Bellsecreteuro.com, ma chérie. Ça ne va même pas prendre. Bellsecreteuro.com. Je n'ai pas de représentante en Europe. Si tu veux passer un bon dimanche, j'ai fini mon discours. Si tu ne t'es pas mon message, ça veut dire que tu es sorcier. Ça veut dire que tu es sorcier. J'ai dit 100 ans sur la vie de Diana. 100 ans sur sa vie. Vous qui l'avez souhaité la mort, là, ça va vous trouver. Ça va vous chercher, ça va vous trouver. Continuez. Vous n'avez encore rien vu. Bande d'ignorants. La Côte d'Ivoire ne vous dépasse pas. La Côte d'Ivoire nous dépasse sur quelle base? Tu es déjà allé en Côte d'Ivoire. Mets ton pied en Côte d'Ivoire, tu vas voir. Vous avez l'aéroport. Jusqu'à ce que tu viennes parler. La Côte d'Ivoire nous dépasse sur quelle base? Ça donne la visibilité à vos stars. Quelle est votre star qui travaille à la télé? Mais la Côte d'Ivoire a pris vos stars pour mettre à la télé. La Côte d'Ivoire nous dépasse sur quelle base? Vous attendez la Côte d'Ivoire? On parle de toi si tu viens parler. Faut rester tranquille, tu prends les notes. Prenez les notes chez les Ivoiriens. Ils sont pas parfaits non plus, hein. Ils ont leur part de buzz là-bas. Mais au moins, ils donnent les opportunités. Ils donnent des opportunités, ils ouvrent des portes. Mais ils nous dépassent. Acceptons. La vérité fait mal, mais le sang ne coule pas. Les Ivoiriens nous dépassent. Hein, beaucoup même. Beaucoup même. C'est pourquoi on les aime, non? C'est pourquoi on aime un buzz avec eux. Parce que quand on a le buzz avec les Ivoiriens, ça fait bim. Vous avez fait, j'ai fini l'ananas. Tout un ananas. C'est l'aéroport qui te bluffe. Te répondre sera me descendre, mon frère. Parce que je sens que même le Cameroun, tu n'as jamais quitté. Même le Cameroun, tu n'as jamais quitté. Vous avez constaté, ce sont toujours les hommes. Attendez, je vais bloquer ce parvenu. Même le Cameroun n'a jamais quitté. Je comprends, le réponse va lui donner de la visibilité. Mais on le bloque. Il demande si c'est l'aéroport d'Abidjan qui me bloque. Moi qui vis aux États-Unis. Hein. Mon frère, l'aéroport d'Abidjan me bluffe plus que l'aéroport du Cameroun. Ne mentons pas. L'aéroport d'Abidjan, la seule là. Ça me bluffe plus que l'aéroport du Cameroun. On va pas se mentir. Aéroport d'Abidjan, là, il y a la clim. Il dit là-bas, il y a clim. Aéroport d'Abidjan, là, ça s'appelle quoi? Business quoi, là, fait quoi, là? Ça me bluffe plus que l'aéroport du Cameroun. J'accepte. Alors, si, là, j'accepte. Ça me bluffe plus que l'aéroport du Cameroun. Disons-nous les vérités. Vous voulez changer de sujet. Allez demander pardon à Diana. Allez demander pardon à Diana, vos consciences vont vous juger. Même pas honte. J'ai dit, hein, la mort que vous avez souhaité à Diana, là, ça vous regarde comme ça. Ça vous suit derrière, comme la queue du chien. J'ai répété à Diana, va prendre la communication. Prends un manager. Écoute les messages inspirants et motivants. Fais tout même pour sortir du continent africain. Si tu veux même, viens ici. Sois copine avec Kim Kardashian. Hein, comme tu peux même dans les machins là. Je t'amène ici chez Tyler Perry. Au studio de Tyler Perry là-bas. Il peut même te prendre comme les blagues. Hein. Ma chérie, tu descends au Cameroun. Tu déposes 3 immeubles.
Tu les laisses venir être tes locataires. Ceux qui bavent là, ils seront tes locataires. Ça, c'est ta vraie revanche. Ne pas te venger avec les paroles. Tu vas venir insulter les gens sur Internet. Ta revanche là, c'est de prendre les gens qui t'insultent et de faire en sorte qu'ils deviennent tes locataires. Tu déposes deux immeubles à Yaoundé, deux à Douala. Tu mets là, Diana Bouli. Ils ont besoin des maisons, non? Ils vont venir louer. Les voilà qui sont remplis dans mes immeubles, non? Ils sont remplis, non? Le jour, ça va m'énerver. Je vais aller mettre bel bijou sur mon immeuble. Ils sont là tous les jours. Mais ils sont mes locataires. Je dis, the best revenge is your paper. C'est comme ça ta revanche. C'est ton argent. Ils sont remplis là-bas dans mon immeuble. Ils louent. Ils payent 300 000 tous les mois. 200 000 tous les mois. 500 000 tous les mois. Les voilà, non? C'est pas moi qu'on donne l'argent. Oui, ma chérie. Mieux tu fermes ta bouche. Tu travailles, tu peux construire. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, ma chérie. Best revenge is your paper. La meilleure revanche, c'est ton argent. C'est le papier, maman. Tu transformes les insulteurs là en locataires. Ils deviennent tes locataires. Le jour où tu arrives au Cameroun, tu gardes ta Range Rover ou je ne sais quoi là. Tu pars comme ça, tu commences à frapper sur chaque porte pour demander ton loyer. Avec ton notaire. C'est comme ça. Le petit frère de Belle est là. Qui, Ibrahim? Je n'ai pas vu Ibrahim, oh. Ibrahim est où? Si Ibrahim est là, je vais le prendre, non? Ibrahim est où? Je ne vois pas Ibrahim. Ibrahim, on me dit que tu es là. Hein? Tu es où? Si tu es là, fais un message. C'est qui le petit frère de Belle? Merci pour la commande qui vient d'arriver. Ibrahim, lance-moi la demande alors, je t'ajoute dans le direct. Lance la demande, je t'ajoute dans le direct. Oh. Lance la demande, je t'ajoute dans le direct, mon petit frère. Oh. Ok, je t'ai envoyé la demande. Tu as venu ta grande soeur ici en train de parler sur l'affaire de Diana Bouli. Je suis dépassée par les événements. Merci beaucoup, ma grande sœur. Tu es où comme ça, ton internet fait comme une femme enceinte qui n'aime pas les odeurs. Bon? Tu es tout beau, tu es tout glow. Oh, merci. Tu es comme ça. Tu es chez le coiffeur. Non, on est venu faire ses ongles. Parce qu'on sort. Elle ne veut pas être sur la caméra, faut l'enlever. Oh. Elle ne veut pas être sur la caméra. On va sortir ce soir, ouais. On va sortir pour aller, okay. Pour aller fêter un peu ce soir. Tu es venu couper mon joker. Moi, je venais mettre les gens. J'ai fait le terre à terre sur l'affaire de Diana Bouli. Il faut que tu ailles faire une vidéo sur YouTube pour dire aux gens d'arrêter de l'harceler. Hein. Mon cher. Allô, Chrissy. Moi, je cherche à prendre une autre nationalité. Si les Ivoiriens sont encore disponibles, là, pardon, le passeport bientôt. Réserver déjà. Et suis ta bouche avant que le Cameroun ne tombe sur toi, pardon. Va t'amuser. On se dit à plus tard. Bisous. Bisous. Bye bye. Bye. Tout ça a craché sur leur page. Oh. Que leur pays même n'a rien à faire de vous. Chacun s'en sort de façon marraine. Elle est encore jeune. Elle se cherche encore. Mais c'est pourquoi je lui ai donné le conseil d'aller commencer à regarder les vidéos de communication, de motivation, d'apprendre à parler, savoir ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire et à quel moment. Elle est encore jeune. Elle a quel âge? 19 ans. Celle-là même, je pourrais même la coucher. Hein. Donc, il faut juste qu'on lui conseille, c'est tout. C'est juste misérable de voir ses grands frères et ses grandes sœurs l'insulter et la mettre à la verdict populaire au lieu de lui donner les conseils. Comment l'enfant va apprendre? Comment l'enfant va apprendre? Ça ne fait pas de sens. Oh. Yahweh, pardon, je m'en vais. Bisous à vous. Bon dimanche. Bisous à vous. Bon dimanche. Ne partez pas rejoindre mon académie pour apprendre à devenir financièrement indépendante. Continuez à compter sur les hommes en incitant Diana. Chez mon you.